Ông quý chủ. Ông chấm dứt báo cáo văn to cái tầm ra ca để tiếp xin sắm ra ca hay ông nhắm mắt coi trong diễn biến chung từ lục miền bị bây giờ cổ về phòng đá tha cô bẩm nòng để lục miền bẩm nòng xu từ mẹ chấm điểm lục đi vẽ bòn mới xạ xây xạ khay cam xạ xây bị rút để ông nhắm đẹp bàn thừa tầm ra ca chưa tầm ngặt hay ông nhắm đẹp bàn tầm ra tu an ở nhà thừa tầm ra ca chưa tầm ngặt nếu cứ lục ấy thừa nơi trong pil nei ka su đánh đầu របស់ lok chpu sa sai neak chmney rup ni ba prab prakar chun te krom mitavi vaita ko pe nei banto ka tang tamruy đánh đầu chpu neak chmney procedural matter, Mr. President, if you allow me. Really would like to use the three sessions. In light of the many objections and the time passed in the previous session, I would like now to adjust my request and ask the chamber to be allowed to question Mr. Osman further in the session after the lunch break tomorrow. I have two subjects left. The subject that has to be done in closed session. And one other subject is it's a complicated subject. The charm casualties that Mr. Osman has testified to. There's one other point that I would like to make before then handing the floor to the Pearson Bond team. So my suggestion would be that they start posing questions to Mr. Osman, continue in the first two sessions tomorrow, that I will resume my questions. The problem is that the issue of charm population figures and demographics is a complicated. Request to continue questioning Mr. Osman after lunch break and only use that additional session after lunch break. Come on, Tom, bring your hand on that yet. So, join look three with me on that yet. Copy, could I look at Hughes and Pawn? Oui, merci, Monsieur le Président. Simplement, peut-être en termes d'organisation, sur la question du clou, je pense que si je termine demain mon interrogatoire avec les deux témoins en question que l'on doit aborder à huis clos, on pourrait ensuite continuer le huis clos avec mon frère Copé, comme ça il n'y aurait qu'une seule fois un passage à huis clos, qui serait peut-être plus simple en termes d'organisation. C'est la proposition que je formule, mettre les questions relatives à ces deux témoins en fin d'interrogatoire, de façon à ce que le huis clos, mon confrère, puisse prendre le relais sur la partie qu'il envisageait. C'est ce que je suggère, peut-être pour que ce soit plus simple.
សូមជួយលោកជក្រមសង្វាក់ឡើងវិញប៉ុន្តែយើងអត់យល់ដែរពីព្រោះមិញគឺយើងបានធ្វើលោកស្រីថាផ្សាយផ្សេងអញ្ចឹងហើយបានយើងសម្រេចដូចនេះដែលផ្អែកលើការស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកស្រីថាវាមានបញ្ហាទេដោយការសួរហ្នឹងគឺមិនមិនតំណងជាមិនចាំបាច់ធ្វើអត្ថាធិណៈទេយើងបានសួររួចទើបយើងសម្រេចដូចនេះឥឡូវនេះវាដល់ពេលយើងសម្រេចរួចគឺផ្ទុយទៅវិញអានេះគេហៅថាធ្វើតាមទំនើងចិត្ត Sur le point du huis clos, j'ai peut-être essayé de clarifier ce que j'ai compris. Et que M. Mathévi, l'expert, Les questions relatives à ces deux témoins devaient se passer avec Claude. Donc j'avais compris que ça s'appliquait à moi. Je n'ai aucun souci pour faire mes questions en audience publique dans la manière dont j'ai l'intention de les poser, mais j'avais compris de votre décision que ça voulait dire que toutes les questions au sujet de ces deux témoins devaient être avec vous. C'est pour ça que je fais cette observation. Si je peux me permettre maintenant, j'aimerais savoir, Maître Guisset, le gouvernement de défense de Cusampan, si vous envisagez de poser des questions concernant les chiffres, les chams qui sont décédés pour la pierre du Cambodge. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de coordination du tout entre les Ça m'inquiète un peu parce que nous avons une demande de temps alloué aux équipes de défense qui est de presque deux jours, une journée trois quarts. Je rappelle que le temps accordé à l'articulité du procureur a été d'une journée et d'une session. En ce qui concerne la coordination en termes des équipes de défense, je ne vois pas pourquoi ça poserait une inquiétude du côté de la Chambre, parce que depuis toujours, nous sommes deux défenses distinctes avec deux approches différentes. Et parfois, il y a des choses qui se rejoignent et quand des questions ont déjà été posées par mon confrère Claude, je n'y reviens pas. De la même façon qu'il y a des choses que je vais aborder, peut-être que cela réduira d'autant le point que mon confrère Copé veut faire. Mais depuis toujours, il y a deux équipes de défense avec deux angles de défense qui sont différents. C'est très clair depuis le départ. Maître Guisset, ma seule préoccupation, c'est le temps. La stratégie de chaque équipe de défense libre à elle de décider. Mais ce qui m'importe, c'est le temps. Et en termes de temps, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, j'ai bien indiqué à la Chambre depuis le début de la comparution de ces témoins que le temps qui a été alloué me semblait court. Il ne semble pas que les autres parties aient rebondi sur la demande de temps supplémentaire dont j'ai conclu que le temps qui leur avait été accordé par la Chambre leur semblait cohérent et leur semblait suffisant. Mais vraiment, depuis le départ, vraiment, on peut reprendre l'historique pour M. Ysa Osman. J'ai toujours dit qu'il y avait besoin d'avoir plus de temps. Mais en tout état de cause, je maintiens que pour l'équipe de Cusampan, peu ou prou, trois sessions me semblent importantes. Donc après, la Chambre avait indiqué dans ses échanges de mails que nous serions sceptiques, nous avons la possibilité de faire cette demande supplémentaire, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. La demande est maintenue. Ce n'était pas ma question, M. Guisset. Ma question était de savoir si vous, dans votre interrogatoire, vous envisagez de poser des questions à l'expert sur les chiffres concernant le nombre de chams tués pendant la période de Cambodge. J'envisage de poser un certain nombre. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit exactement les mêmes questions que mon confrère Coupé entend poser. Mais il y en a ce point sera abordé un moment ou un autre. Je vous envisage de poser un certain nombre de chams tués Very briefly, Your Honors, we understood the original order is that both the prosecution and civil parties had five sessions and the defense would have the same. I understand now a request is before the bench for multiple additional sessions by the defense, and we think if additional significant time is granted to the defense, additional time should be granted to the prosecution. Mike Brook, ខ្ញុំគ្រាន់ចង់សុំបញ្ជាក់ថារាល់ដងពេលវេលាដែលផ្ដល់ដោយខាង
dương khang sạp đến nhà hay đang khang đang đang rót về ní cứ lục bát thiên miền cam mặt chặt na hàm pì bành hà pì về liền đi hay đó là của dương tịch tuổi phật chỉ cả này lực lên hay pì về liền đại sa sông đại phiệt kỳ khang cả pì cái đấy nên cứ pì về liền tràn bên tên được chứ này trong cực mình miền là cái nào xong sọp thì
បាទឥឡូវនេះដោះស្រាយបញ្ហានេះដូចនេះគឺសូមអង្គពន្យល់អង្គជំរះសម្រេចថាភិក្ខីមេធាវីការពារក្តីទាំងពីរក្រុមមានពេលកន្លះថ្ងៃនៅថ្ងៃស្អែកនេះត្រឹមពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយបើសិនជាសហព្រះរាជអាជ្ញាគាត់មានបំណងចង់សួរគឺអង្គជំរះផ្ដាល់ មួយវគ្គនៅពេលរសៀលវគ្គទី1ហើយនឹងវគ្គទី2គឺភាគីមេធាវីការពារក្តីសួរបិទចុងក្រោយអញ្ជើញមានអីទេ Non, Monsieur le Président, je suis consciente du temps et je préfère commencer tout de suite mon interrogatoire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur Ysa Osman, sur le temps, donc je vais aller au cœur du sujet. D'abord, je m'appelle Ysa, je suis co-avocat international de Monsieur Que Sampong, et j'ai quelques questions complémentaires à vous poser. Et avec l'autorisation de Monsieur le Président, je voudrais vous remettre un classeur dans lequel il y a un certain nombre de documents qui ont été mis dans l'interface et sur lequel je voudrais interroger l'expert plus particulièrement, et je pense que ce sera plus simple si vous pouvez les avoir à l'attention des parties, les documents sont les suivants: E3-1-18-22-75-25-23-26-49 Je vais commencer à revenir sur certains points de méthodologie et notamment de la méthodologie du CDCAM. Hi, chẳng mệt đấy và luật sư sẽ phải bị qua đúng đó. Bạn trầm trễ luật sư đấy. Dans le cadre de votre ouvrage Ukuba, document Cette partie qui est le projet de recherche du CDCAM, est-ce que c'est vous qui l'avez écrite? Est-ce que vous l'avez publié? Premièrement, si vous ne l'avez pas écrite, est-ce que au moment où votre ouvrage a été publié, est-ce que vous l'avez écrite? Et est-ce que je dois comprendre que ce n'est pas vous qui avez écrit cette partie sur le projet de recherche sur le CDCAM? Et si ce n'est pas vous, est-ce que vous pouvez indiquer qui l'a écrit? Dans le cadre du projet de recherche sur le CDCAM, Mais
Est-ce que vous pouvez indiquer qui a rédigé ce parti? ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំមានប្រធានផ្នែកនៃការស្រាវជ្រាវគឺឈ្មោះលោកស៊ឹមសូរិយាគាត់ជាអ្នកជ្រើសរើសអត្ថបទនេះដើម្បីយកមកបង្ហាញឲ្យអ្នកអានថាវិយុទ្ធសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារប្រព្រឹត្តធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានដឹងថាតើលោក Est-ce que il est exact de dire que dans le cadre de la rédaction de votre ouvrage Ukuba et également The Khmer Rebellion, c'est cette méthodologie que vous avez appliquée? ដែលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានរៀបចំហើយវិធីសាស្ត្រនៃការសួរសំណួរអីក៏ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកជំនាញនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែរយើងជៀសវាងសំណួរណាដែលនាំមុខឲ្យអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននិយាយ Précisément à ce sujet, mon confrère vous a lu le passage qui se retrouve donc à l'ERN qui se finit par 97, page 149, dans lequel il est bien indiqué que le niveau des chercheurs et l'expérience des chercheurs du CDCAM ne permettait pas d'appliquer le standard scientifique de recherche et à l'ERN suivant qui se termine par 98, page 150. Voilà ce qui est indiqué. Et je lis en anglais. Dissicam firmly believes in the learning by doing method when it comes to writing a research paper. All researchers are free to write as their fancy dictates, as long as they faithfully cite all of their sources and produce papers free from plagiarism. Fin de citation. Est-ce qu'il est donc exact compte tenu de ce qui est indiqué que vous, en gros, au niveau de vos méthodes de recherche, vous avez, pour prendre une expression un peu familière, appris sur le tas? ខ្ញុំអត់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាខ្ញុំអត់បានរៀនជំនាញអំពីការស្រាវជ្រាវនេះពីសាកលវិទ្យាល័យណាមានកម្រិតបរិញ្ញាបត្រឬក៏កម្រិតទទួលស្គាល់ណាមួយទេប៉ុន្តែដោយសារការងារនេះដោយសារជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំទីមួយទីពីរចង់ជួយកត់ត្រាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដែលយើងអាចធ្វើបានដោយសារថាមាន En ce qui concerne les entretiens que vous avez menés, en revanche, vous étiez seul. C'est vous qui avez mené les entretiens personnellement, pas de professeur, hein, avec vous. ដោយខ្លួនឯងតែម្ដងហើយមិនមានវត្តមាននៃលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យរបស់លោកទេតើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេបាទត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមានបទសម្ភាសន៍មួយដែលលោកមេធាវី
Victor Cope ban lược bị phật mạnh vì bắt sủng phe chùm môi lục mặt ly nhưng ban chụp sủng phe quát chùm môi lục sim soria đã chỉ bắt thiên cầm càng nghe sao chưa được bắt nhau Un autre point que je voudrais aborder avec vous, de façon générale, plus générale sur les entretiens, c'est des cadres, pas uniquement ce que vous avez mené sur les deux ouvrages que vous avez écrits sur les chams, mais de façon générale. Nous avons vu devant cette chambre, et c'est par exemple le cas de l'interrogatoire que vous avez sous le classeur, Nous avons beaucoup d'entretiens dans ces cas. À court d'entretien, là, je prends l'exemple de l'entretien, un interview de Nguyen que nous avons eu à l'audience il y a peu de temps et où on réalise que ce n'est qu'à la fin de l'entretien que vous demandez le nom de la personne qui était en plus de la personne que vous envisagez d'interroger au départ. Et donc ma question est la suivante. Vous dites que vous faites attention à ne pas poser de questions qui soient directives pour ne pas en quelque sorte polluer ou diriger la personne que vous interrogez. Mais lorsque vous avez des entretiens avec de multiples intervenants, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce que vous craignez en posant des questions directives se retrouve autrement, à savoir par l'intervention de personnes extérieures à la personne avec qui vous entretenez au départ et que du coup on n'a pas l'entretien de la personne en tant que telle mais également des informations qui sont données par des personnes extérieures. En termes de méthodologie, ma question est de savoir si d'une façon scientifique ce n'est pas ne pas avoir le vrai contenu de l'expérience de la personne en tant que telle. Si une autre personne assiste à l'entretien et peut intervenir à son gré. បទសម្ភាសន៍ដែលលោកស្រីបានលើកឡើងនេះគឺសម្ភាសន៍របស់ឈ្មោះច័ន្ទគីនៅភូមិអូឆ្លើងឃុំកំពង់ត្រាច់ស្រុករមាសហែកស្រុកខេត្តស្វាយរៀងហើយបទសម្ភាសន៍នេះគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការស្រាវជ្រាវជនជាតិចាមទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាខ្ញុំក្រៅពីការងារស្រាវជ្រាវ Excusez-moi, je pense que j'ai du mal à me faire comprendre sur l'objet de ma question. Je vous ai pris cet exemple-là, je vais revenir après sur des entretiens spécifiquement relatifs au Cham. Ma question, c'était une question de méthode générale par rapport aux entretiens sédécam. Ma question était de savoir si vous ne trouvez pas que scientifiquement, ça pose un problème d'avoir des entretiens avec de multiples personnes qui fait qu'on a So, Council, even the English translator has
trouble to translate you. Please slow down. La peur du temps qui passe. Madame Fence. Est-ce que vous avez compris ma question, Monsieur Osman, par rapport à la méthode et à ces entretiens multiples? ក្នុងពេលដែលមានមនុស្សច្រើនឆ្លើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាតែមួយនោះខ្ញុំយល់សំណួរលោកស្រីហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយថាបទសម្ភាសន៍នីមួយៗគឺយើងផ្ដល់អតិភិបទៅលើអ្នកបុគ្គលដែលយើងជ្រើសរើសដែលមុននឹងយើងសម្ភាសន៍ខ្ញុំបាន ឲ្យគាត់ជ្រើសរើសនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់ថាតើអ្នកណាដែលមានការចងចាំច្បាស់ជាងគេអ្នកណាដែលបានឃើញបានដឹងរឿងច្រើនជាងគេហើយសូមឲ្យបុគ្គលនោះគឺនិយាយតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែវាមានកន្លែងខ្លះដែលយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានពីព្រោះមានអ្នកដែលនៅជិតខាងតែងតែជួយបន្ថែម ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរក្សាថាអ្វីដែលការជួយបន្ថែមខ្ញុំមិនយកប្រើជាផ្លូវការនៅក្នុងសភើរបស់ខ្ញុំទេយើងយកខ្ញុំយកធ្វើយ៉ាងម៉េចយកសាច់រឿងរឿងរ៉ាវពីបុគ្គលដែលខ្ញុំសម្ភាសអ្នកផ្សេងទៀតដែលលោកមាត់លោកកខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហានេះទេហើយអ្នកស្រីលើកអំពីបទសម្ភាសដែល អ្នកស្រីបានបង្ហាញនេះគឺបទសម្ភាសនៅក្នុងគម្រោង PA របស់ខ្ញុំនេះពួកយើងដាក់ទាំងអស់គោលការណ៍ស្រាវជ្រាវមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារអ្នកណានិយាយយ៉ាងម៉េចអ្នកណានិយាយអ្វីគឺយើងដាក់ទាំងអស់យើងនេះបង្ហាញថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារ ស្រាវជ្រាវគឺប្រកបច្បាស់យើងអត់មានថាអត់មានថា Vous avez fait des recoupements entre une personne qui parlait d'un fait similaire, une autre personne, est-ce que vous avez fait des recoupements entre les déclarations et éventuellement, si vous avez noté des différences, est-ce que vous êtes retourné voir telle personne? Est-ce que ça vous arrive dans le cadre de la rédaction de vos ouvrages? ខ្ញុំធ្លាប់បានសម្ភាសមនុស្សម្នាក់តែសម្ភាសច្រើនដងប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនបានសួរដេញដោលគាត់ថាហេតុអីបានជាបុគ្គលនោះនិយាយរឿងនោះហើយគាត់និយាយផ្ទុយពីបុគ្គលដែលខ្ញុំបានសម្ភាសកន្លងមកពីព្រោះភារកិច្ចជាអ្នកស្រាវជ្រាវយើងទទួលស្គាល់អ្វីដែលគាត់បាននិយាយពេលខ្លះសាក្សីម្នាក់គាត់ដឹងតែពី Est-ce que je dois comprendre de votre réponse que donc vous ne faisiez pas de recoupement entre les différents récits de témoins que vous avez interrogés? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répondre précisément à ma question? Est-ce que oui ou non vous avez fait des recoupements entre les récits avant de rédiger votre ouvrage? Ou est-ce que vous avez simplement livré le récit de chacun en fonction de ses souvenirs et de ce qu'il vous a dit lors de l'entretien individuel? ផ្សារភ្ជាប់រឿងរ៉ាវផ្សេងៗរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលគ្នាទេមែនទេ
នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃសុភើទី២របស់ខ្ញុំការបះបោររបស់ជនជាតិចាមគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ពីបទសម្ភាសមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់នឹងអាចនិយាយរឿងរ៉ាវដូចគ្នាខ្លះអាចខុសគ្នាខ្លះជាមួយអ្នកដទៃប៉ុន្តែមានផ្នែកផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការសរសេរដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែល Ça, j'ai compris que les histoires ont été insérées dans différentes parties de votre livre. Ma question était différente, ma question était de savoir est-ce que vous faisiez des recoupements et éventuellement alliez réinterroger les gens lorsqu'il y avait des contradictions. ខ្ញុំ អត់ បាន ដេញ ដោល សួរ ថា អ្នក នេះ និយាយ ចេះ ហេតុ អី បាន ជា គាត់ និយាយ ចោះ ពី ព្រោះ ជា សេរី ភាព ជា បទ ពិសោធន៍ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ គាត់ រៀង រៀង ខ្លួន ហើយ បទ ពិសោធន៍ របស់ គាត់ នឹង ដូច ខ្ញុំ និយាយ ចឹង វា មាន លក្ខណៈ ខ្លះ ដូច គ្នា មាន លក្ខណៈ ខុស គ្នា ប៉ុន្តែ ដូច ត្រង់ ថា ការ កាប់ សម្លាប់ ជនជាតិ ចាម នៅ ឆ្នាំ 77-78 ការ ជម្លៀស ជនជាតិ ចាម ការ បង្ខំ ជនជាតិ ចាម ឲ្យ ហូប សាច់ ជ្រូក ការ បំបត្តិ សាសនា ចាម ទាំង អស់ នេះ គឺ សឹង ថា ដូច គ្នា 100% គឺ តាម ដែល អ្នក ដែល ផ្ដល់ ព័ត៌មាន ឲ្យ ខ្ញុំ គឺ ឯកភាព អត់ មាន ចាម ទេ Je pense que je n'ai pas été clair, donc je vais essayer de prendre un exemple plus précis. Donc, dans votre ouvrage Ukuba, c'est à l'ERN 0078454. Je ne pense pas que ce passage soit dans votre classeur, donc je vais lire doucement. Vous évoquez des faits qui se passent au village de Tri et qui... sont fondés notamment sur des témoignages de deux personnes qui sont venues témoigner dans cette chambre, Amat Sophia et Nosatas. Et je vais lire un extrait, puisque c'est une question aussi sur une question de chiffres. Je vais vous lire l'extrait de Kuba et vous poser ensuite une question. C'est le deuxième paragraphe de la page. As one example, in late 78, the Khmer Rouge gathered all those accused of crimes, both Cham and Khmer, into a house in Tri Village, Khmer District, Kampong Cham Province. All the prisoners were asked one question, Cham or Khmer? Those answering Cham were sent to one side and the Khmer to the other. All of the Khmer prisoners were released. All but six of the approximately 100 Cham prisoners disappeared. The sixth, Nosata, Sleyan, Slesaha, Mao Meisam, Tamjuk, et Amat Sophia survived because they lied and said they were Khmer. Dans ce paragraphe, vous parlez de 100 chams qui ont disparu. Nous avons entendu Amat Sophia et Nosatas qui ont, à l'audience en tout cas, une version chiffrée qui est différente. Mais au moins dans l'entretien que Nosatas vous avez accordé dans le cadre de votre ouvrage, et en tout cas la traduction en français, c'est le document E3
et pour l'ERN en Khmer, c'est le 002-04-448 et ça se poursuit sur la page suivante. Et en anglais, c'est le 002-04-453. Et à cette page-là, Nosata s'indique qu'elle a été placée dans un groupe d'une quarantaine de filles. Ahmed Sofia, elle l'avait dit avant et elle le dit également à l'audience, évoque le nombre d'une trentaine de filles. Pour votre parfaite information, et peut-être que vous le savez déjà puisque j'imagine que vous suivez les audiences, Nosata à l'audience a changé le nombre en expliquant qu'elles auraient été 300. En tout état de cause, que ce soit Ahmed Sofia ou Nosatas, dans le cadre des entretiens que vous avez eus avec elles, elles évoquent entre 30 et 40 personnes. Donc ma question est de savoir comment est-ce que dans votre ouvrage, vous arrivez au nombre de 100? Sur quoi est-ce que vous vous fondez pour parler de 100 personnes? តាមសាក់សីឈ្មោះអីទីលំនៅកន្លែងណាជាអ្នកប្រាប់ហើយគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងត្រង់អង្គសាវនាការនេះក៏ហៅគាត់មកបំភ្លឺឲ្យគាត់និយាយផ្សេងនេះជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែទេធម្មតាមនុស្សយើងការចងចាំមិនអាចរក្សានៅដដែលទេកាលណាកាន់តែយូរការចងចាំកាន់តែខ្សោយកាន់តែបាត់បង់ព័ត៌មាន អញ្ចឹងកាលសម្ភាររបស់ខ្ញុំឆ្នាំ2001ឬក៏2002ដល់ហៅគាត់មកបំភ្លឺឥឡូវនេះវារយៈពេល Ma question elle était différente. J'ai bien compris que les récits peuvent varier. Et avec l'exemple de Nosatas, on l'a bien vu. Ma question était différente. C'était, nous avons les déclarations et les entretiens que vous avez menés avec Ahmed Sofia et Nosatas, et elles évoquent une quarantaine de personnes. Vous, dans Cuba, vous dites qu'il y avait environ 100 prisonnières, en l'occurrence, puisque a priori c'était des femmes qui ont disparu. Donc, ma question est de savoir d'où vous tirez ce chiffre de 100, alors que, en tout cas, dans les interviews que vous avez eues avec Ahmed Sofia et Nosatas à l'époque de vos entretiens, elles n'évoquaient que 30 ou 40 personnes. D'où sort ce chiffre de 100? ជនជាតិចាមដែលបានខ្លួនពេលហ្នឹងគឺចន្លោះពី30ទៅ40នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសុភើរបស់លោកសរសេរ100នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកយកពាក្យលេខ100ហ្នឹងយកមកពីណាខ្ញុំសូមឲ្យលោកស្រីផ្ដល់ជាខ្សែអត្តសម្លេងដែលខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនៅសតាស់និងអាម៉ាត់សូហ្វីយ៉ាកាលដែលខ្ញុំបានសម្ភាសហ្នឹងតើគាត់និយាយថា30នាក់ឬក៏
Justement, en fait, moi, j'ai les extraits de vos entretiens, c'est-à-dire les documents qui figurent en annexe, qui ont été annexés au procès-verbaux et qui disent que c'est la transcription des entretiens que vous avez eus avec ces deux personnes, et elles ne disent pas sans. Justement, c'est vous, dans votre ouvrage Kouba, dites il y avait environ 100 personnes. Donc, c'est bien pour ça que je vous pose la question. D'où sort ce chiffre de 100, puisque je ne vois pas ni dans l'entretien de Satas, ni dans celui de Ahmed Sophia. Ça vient d'où ce chiffre de 100? Comment vous l'avez déterminé? Et comment vous l'écrivez comme ça dans Kouba? Le document écrit de Satas et Ahmed Sophia. Je parle quand même, hein, c'est pour des questions de temps, mais je parle sous le contrôle de la Chambre et des partis. Je n'ai cité que des éléments qui sont fournis au dossier, et notamment le document E3-93-33, l'annexe ou l'intitulé « Interview de l'auteur avec nos Satas ». Voilà, et sur Ahmed Sophia, je vais vous dire la référence. Même à l'audience, en tout cas, ce qui est clair, c'est que je ne tire pas ces chiffres d'une invention de ma part. Je vais vous retrouver la référence. Mais en tout cas, de cause, je parle de ce qui a été dit et à l'audience et dans le cadre de ce que nous avons lu dans votre ouvrage ou dans les entretiens qui ont été donnés en annexe des entretiens avec les co-juges d'instruction. Donc je n'avance pas ces chiffres, hein, c'est des chiffres qui ont été donnés comme étant résultant plutôt de vos entretiens avec ces deux témoins. Được cho bạn lực lượng bánh bánh trắng trong tiêm tiền đảm bảo tiêm toạt tù lệ đại lục xây này giấy để xâm đại từ lửa bọt xâm phía rồi bọc trong mùi ná bọc trong ọt miền là nóng đại thì chẳng lục xây này giấy dũng từ lửa bọt xâm phía rồi bọc nhóm tiêm toạt cho mùi giúp hợp bọc nhóm chẳng lục xây bằng hành bọt xâm phía nâng máu hay chụp hay nâng bằng hành tập bò ná muối Je veux bien le faire, je tiens quand même à dire que j'ai donné les ERN en Khmer et en anglais pour que toutes les parties et la chambre puissent vérifier. Je n'invente rien, c'est des choses qui sont en annexe. Je veux bien vous donner la mon problème, c'est que pour le moment, ma version elle est en français. Je veux bien vous donner l'extrait en Khmer, mais je tiens à dire que c'est des choses qui figurent dans votre ouvrage. Avec l'aide de madame l'huissier, est-ce qu'on peut remettre E3-93-33, donc qui est l'annexe de nos Satas et dans lequel il y a marqué une quarantaine de personnes? Mais je tiens quand même à préciser que pour la suite de l'interrogatoire, je ne vais pas être en mesure de vous donner l'intégralité des éléments, mais que je parle sous le contrôle de la Chambre des partis, que si vous faisiez une présentation erronée des documents officiels que nous avons, il n'y aurait pas manqué de l'autre côté de la barre
de faire des objections. Donnez-moi ce crédit de vous donner des chiffres qui correspondent aux éléments que nous avons décidés. ខ្ញុំបានទទួលឯកសារដែលលោកស្រីផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំឯកសារនេះដូចជាឯកសារមួយដែលខ្ញុំបានសរសេរដំបូងជាភាសាខ្មែរពីព្រោះភាសាខ្មែរនេះគឺជាសេចក្តីព្រៀងដែលខ្ញុំបានសរសេរសៀវភៅប៉ុន្តែមិនបានបោះពុម្ពផ្សាយទេអ្វីដែលបោះពុម្ពផ្សាយដែលផ្ទៀងផ្ទាត់តួលេខ ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយខ្សែអត្តសម្លេងគឺយើងយកប្រើការជាឯកសារសៀវភៅរបស់ខ្ញុំដែលរបស់ពុំផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនេះអញ្ចឹងបើយើងយកមកប្រៀបធៀបដែនឯកសារដែលជាភាសាខ្មែរដែលខ្ញុំផ្សេងដំបូងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយភាសាអង់គ្លេសនេះមិនមែនមានតែចំណុចមួយទេដែលខុសគ្នាមានចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតដែល យើងធ្វើការកែតម្រូវបន្ថែមបន្ថយគឺទៅលើសំណេរជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានការបកប្រែដោយអ្នកបកប្រែរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា Alors, excusez-moi, j'ai besoin d'une clarification. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les documents que nous avons eus, les entretiens que nous avons eus en annexe des déclarations faites devant les juges d'instruction par les témoins en question, par lesquels on leur fait confirmer que c'est bien elles, qu'elles confirment bien la teneur de l'entretien qu'elles ont eu avec vous, est-ce que vous voulez dire que les chiffres sont inexacts? Donc, par exemple, sur l'entretien de Nosatas, où il y a marqué une quarantaine de personnes, est-ce que vous voulez vous dire que ce document qui était en annexe de cette déclaration devant les couches d'instruction qu'elle indique avoir, enfin qu'elle confirme en indiquant que le contenu est exact et que ça correspond à l'entretien que vous avez eu avec elle? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les chiffres ne sont pas bons dans cette déclaration? បាទសូមទោសខ្ញុំមិនមែននិយាយថាមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាអ្វីដែលប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដែលគេទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវតាមរយៈសិភើដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយចំពោះឯកសារដែលខ្ញុំសរសេរព្រៀងមុនបោះពុម្ពជាសិភើនេះគឺមិនអ្វីដែលជា អ្នកផ្សេងផ្សេងបានទទួលស្គាល់ស្នាដៃដែលខ្ញុំបានសរសេរជាខ្មែរនេះទេគឺបោះពុម្ពជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតមើលកន្លែងចំនួន 40 នាក់ដែលលោកស្រីហាយឡៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរពង្រៀងនេះមិនមានន័យថា 40 នាក់នេះគឺអ្នកដែល គេយកថាសម្លាប់នៅភូមិត្រៀនោះទេគឺ 40 នាក់នេះគឺជាក្រុមនារីនៅលាវមួយក្រុមដែលមាន 40 នាក់ខ្ញុំសូមអានបញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចខ្ញុំត្រូវបានយកទៅដាក់នៅមន្ទីរនៅក្នុងក្រុមនារីនៅលាវមួយក្រុមមានចំនួនប្រមាណ 40 នាក់ Comme je vous l'ai dit, tout le monde a sous les yeux le document, j'en ai lu un extrait, et tout le monde aussi a entendu la déclaration d'Ahmad Sophia et de Nosata Salamar. Ma question était différente. Vous me dites, je me fonde sur la publication officielle de mon ouvrage. Ma question, c'est le chiffre de 100 que vous écrivez dans l'extrait que je vous ai lu. D'où est-ce que vous le tirez? C'est ça ma question. Parce que ce chiffre de 100, ni Ahmad Sophia, ni Nosatas dans ses différentes versions, ont donné ce chiffre-là. Donc ma question, c'est d'où est-ce que vous le tirez? Comment vous arrivez à ce chiffre de 100? Je crois que c'est un peu plus grand. Je crois que c'est un peu plus grand. Je crois que c'est un peu plus grand.
sum lok srei banhan khnyom ampi bot sophie chmuoy no satta ta katha khan na muoy da khnyom ban so sei tha 100 da te bo khnyom meu truh truh ot ton khoeng da lai donc c'est normal alors l'URN en anglais est le 0078 5 9 7 et de mémoire je crois que c'est le numéro 6 enfin la page 6 je sais pas si c'est En tout cas, il me semble que c'est la page 6 de l'ouvrage. Encore une fois, je comprends que vous ayez besoin de voir les choses sous les yeux, mais je parle sur le contrôle de l'ensemble des parties, et c'est bien le chiffre qui figure sur cette ERN en anglais, qui a été versé au dossier comme pièce officielle. Donc, si vous ne vous souvenez pas d'où vous tirez le chiffre de 100, il n'y a pas de problème, dites-le, mais je voulais savoir, en termes de méthodologie sur les chiffres que vous donnez, quelles étaient les bases, quels étaient les fondements. Je voulais savoir, en termes de méthodologie sur les chiffres que vous donnez, ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតួលេខដែលខ្ញុំបាននេះគឺយោងទៅលើការសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំជាមួយណូសតាជាមួយអាម៉ាត់សូហ្វីយ៉ាហើយការសម្ភាសន៍ដែលសរសេរនៅក្នុងសភៅទី1របស់ខ្ញុំនេះគឺថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2000នៅពេលដែលខ្ញុំសម្ភាសន៍នោះគឺសាស្ត្រីនឹងបានបញ្ជាក់ដូច្នេះមែនថាមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែល100នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរក៏យោងទៅតាមបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំជាមួយគាត់នៅពេលនោះឯងបាទអរគុណអរគុណទេវាសមនការនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលជប់សម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសអគ្គដំណើរការសមនការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសមនការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី24ខែមីនាឆ្នាំ2016ចាប់ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយសមនការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំនះនឹងធ្វើសមនការបន្តស្ដាប់សកម្មអ្នកជំនាញIsa Osman ហើយសូមភាគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមបានពេលវេលាបានកំណត់នេះអង្គជំនះអរគុណលោកIsa Osman សមនការស្ដាប់សកម្មរបស់លោកក្នុងឋានៈជាអ្នកជំនាញនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំនះក៏អញ្ជើញលោកឲ្យមកបន្តផ្ដល់សកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយអង្គជំនះក៏សូមអរគុណលោកស្រីជូលីបាដេសមន្ត្រីច្បាប់នៅនៃកិច្ចការថាក្រុមស៊ើបអង្កេតលោកស្រីក៏នឹងត្រូវអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីប្រឹក្សាអ្នកជំនាញIsa Osmanនៅសមនការថ្ងៃស្អែកទៀតដែរហើយពេលនេះលោកស្រីអាចសម្រាប់បានហើយហើយបង្កប់អរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទទាំងពីររូបត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអបតកវិញចុះនឹងបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសមនការនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ចុះ